Salut les amis, c'est Varg. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous parler de mon partenaire Instant Gaming, un site sur lequel vous pouvez acheter plein de jeux à des prix incroyables. Allant de Dead by Daylight, ainsi que nombreux de ses DLC, également The Quarry ou alors Elden Ring, vous trouverez également des promotions sur les cartes PlayStation ou même des V-Bucks. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez également un concours disponible tous les mois afin de tenter de remporter le jeu de votre choix. Vous avez toutes les informations, les amis, dans la description. Bon visionnage! Avec la poussière accumulée dessus, tu vois, ça va être chaud. Tu sais, tous les ans, quand t'allumes ton chauffage, enfin, nous maintenant on a une clim réversible, donc en vrai, on n'a pas trop tout de ce côté-là. Mais tous les ans, à chaque fois, tu sais, quand on allumait le chauffage, avec le vieux chauffage qu'on avait à l'époque, dans l'appartement où on était, il y avait une odeur de cramé, tu vois, pendant les 10 premières minutes. C'était horrible, la poussière qui se barre et tout, là, oh là là, terrible. T'aimes pas Krontus? C'est vrai? Alors moi, j'aime pas cette map quand je joue un tueur. Ça serait bien que je prenne la deuxième chaise. Il viendrait pas sur moi. Si? Non? Si? Non? Après j'ai plus de défense là, le problème c'est que j'ai plus de défense. Ok, il est parti sur Bill. Je sais pas si c'est... ouais, à mon avis c'est... Je pense que c'est Eruption qui l'a. Ah, il a trouvé la petite Michaela. Eruption. Il doit avoir écho de douleur, il a sûrement un build basé sur la... Il doit avoir un build basé du coup sur la défense de générateur. Ouais, ouais, c'est ça, tu mets ça. Ok, il va arriver sur moi. Ouais, ouais, il a un build basé sur... ouais, c'est le build fun. C'est un bon build, du coup, hein, pour se défendre. Secousse aussi. Je pense que c'est plus éruption, à mon avis. Mais ça peut être secousse, hein. On va venir par ici. Il déclenche, c'est parfait. La Bloodlust. Il casse la palette. Nickel. On va partir en haut du coup. Là. Là c'est bien aussi. Nice. Salut Brahms, tu vas bien? Brahms, merci beaucoup pour tes 4 mois d'abonnement à la chaîne. On l'a bien tenu, c'est cool, on lui a fait perdre un peu de temps. Il est là, non? J'ai cru ton abri. J'espère juste qu'il a pas retrouvé Michaela. Je sais pas où il est. Il est sur Michaela. Ok. Je pense qu'il va essayer de tuer Michaela rapidement. Pourtant, on a fait qu'un générateur pour l'instant. Bon, après, c'est pas du tunnel. Hein. Il a pris. Il était contre moi juste avant. Donc en vrai, il y a zéro tunnel. Hein. Michaela essaie de tenir un peu. Je sens qu'elle va tomber là. Du coup, je vais éviter de me prendre. Ah, il y a secousse effectivement. En fait, il a secousse. Il a éruption. Il a écho de douleur. Il a la totale. Il a la totale, je te jure, il a la totale. T'imagines, il a Eubri. Ouais, bah c'est pas impossible en vrai, ça serait pas con. Ah, il a pas pu appliquer éruption sur le générateur du coup. Je l'ai eu. Et il m'a bien tunnel. Et du coup, tu live tous les lundis maintenant, c'est cool. Comment ça, tous les lundis? Ça y est, je fais un stream à lundi, ça y est, maintenant on me demande de streamer tous les lundis, c'est terrible. J'arrive. J'ai peur en fait qu'elle se donne. Il a tunnel un peu quand même. Alors en vrai, moi je trouve pas. Personnellement, pour moi, il y a eu zéro tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a attrapé, tu vois, il l'a accroché. Bon là par contre, tu vois, ça revient sur elle, ouais, c'est du tunnel. Là, s'il revient sur elle, oui, c'est du tunnel. Mais non, pour moi, là, il y a zéro tunnel, en vrai, honnêtement. Par définition, c'est du tunnel, mais après, le gameplay montre pas l'intention du tunnel. Oui, ouais, mais la définition, pour moi, la définition du tunnel, c'est vraiment, voilà, se consacrer vraiment uniquement à ce survivant-là, tu vois. Et il a eu une chaise. À partir du moment, pour moi, en fait, où tu as une chaise, entre le moment où t'as accroché le survivant A une fois,
tu prends une chaise avec le survivant B et tu retombes sur le survivant A parce que le survivant B t'a fait bien galérer, etc. Donc une minute après. Et que donc ton deuxième accrochage, ça sera le survivant A à nouveau parce que tu retombes sur lui parce que le survivant B t'a bien fait galérer. Pour moi, il n'y a pas de tunnel en fait. Tu vois, là, c'est pareil. Je sais pas s'il l'a vu là. Je sais pas s'il l'a vu la survivante en vrai. Est-ce qu'il l'a vu à ton avis? Mais pour moi, il n'y a pas de tunnel, tu vois, là, dans ces cas-là. Elle a eu le temps d'être soignée, tout ça, tu vois. Du coup, oui, après, comme tu dis, dans la définition exacte du tunnel, ça peut... C'est pour ça que, tu vois, le problème de DBD, c'est que, parfois, tu vois, même en faisant bien, on peut dire, ouais, mais t'as tunnel. Bah non, j'ai pas tunnel. Bah si, t'as tunnel. Parce que tu l'as accroché deux fois d'affilée. Mais ouais, mais il y a eu une chaise entre-temps. Il y a eu une chaise, il y a trois générateurs qui sont tombés. Il s'est passé 10 minutes entre le premier accrochage et le deuxième accrochage. Et tu dis que c'est tunnel. Eh bah, techniquement, ouais. En fait, techniquement, ouais, effectivement, d'après Lazy, mais il a raison, c'est la définition du tunnel, c'est ça. C'est-à-dire que ta première chase, c'est par exemple Néa, on va dire qu'on est sur une autre partie. Ta première chase, t'affrontes Néa, tu l'accroches, tout se passe bien. On va exagérer un peu, mais ça peut arriver sur certaines games des fois. Hein. 7 minutes après, tu tombes sur, je sais pas moi, Palette Man, etc. Genre, Clonette qui joue ultra bien, qui est sur deux games, elle va tomber toutes les palettes. Ah, je crois qu'il est colère. Tu vas tomber du coup sur Claudette, qui va jouer super bien, elle va baisser les palettes intelligemment sur deux games, elle va te faire perdre un temps monstrueux. Et au bout d'un moment, tu vas lâcher à faire, parce que bah du coup, bah c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour toi, tu vois, de rester sur elle et tout. Et du coup, tu vas changer de cible. Et tu vas tomber sur Néa. 8 minutes après, tu tombes sur Néa. Tu l'accroches une deuxième fois. Et là, du coup, techniquement, on peut dire, tu as tunnel Néa. Mais pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est lamentable. Le mec qui va pleurer au tunnel. Ah, j'avais pas le choix. Sinon, j'allais faire péter le générateur. J'adorais aussi. J'ai adoré. C'est une dinguerie ce jeu. J'ai adoré Callisto Protocol. C'était génial. C'était un super jeu. Problème d'optimisation. C'est ça qui fait que la note du coup du jeu, malheureusement, est un peu basse. C'est pas grave. Merci pour le survival, Samuel. J'ai adoré Callisto Protocol, c'est une dinguerie, ce jeu est génial. J'ai adoré. C'était trop bien. C'était vraiment trop cool. Je vais laisser cette surprise, l'odeur de cramé avec le chauffage, au prochain qui va arriver dans mon studio. Ouais. Oh putain, à la vache. Prochain qui va arriver dans mon studio, car moi je change de studio le 9 janvier. Oh, tu déménages dans pas longtemps en vrai, putain. Nice. Et du coup, pour les préparatifs des déménagements, c'est good ou pas? T'as réussi à avancer un petit peu comme tu voulais de ce côté-là? Je sais pas si c'est une bonne idée de se soigner ici. Putain, il va tuer Michaela malheureusement. Salut June, comment vas-tu? Salut mon cher Lucky. Salut poulet. J'espère que t'as passé un bon dimanche. J'espère que ça roule poulet, j'espère que tu vas bien. Salut Aguerri. Ok, on va aller sur le générateur qui est là. Oh la vache, il était... je crois qu'il était à 80% en plus ce gène, non? Il me semble qu'il était à 80%. Néa a sorti son pull de Noël. Ouais, c'est Noël, du coup Néa sort son pull, effectivement, ouais. Oh, il y a quelqu'un qui vient de passer son niveau sur... Oh, trop bien, c'est super gentil. Merci à toi. Il y a quelqu'un qui vient de passer son niveau sur World of Tanks, c'est super gentil. Merci beaucoup, poulet. Merci de ton soutien apporté pour l'OPSP sur World of Tanks. On passe à 19. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. N'hésite pas du coup à dire ton pseudo dans le chat, comme ça je peux te remercier. Faire un tour là-haut du coup. J'essaie de rattraper tous les messages. Je veux un service Varg 24h sur 24, 7 jours sur 7. Putain, si je pouvais, j'aimerais trop, tu vois. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. En vrai, je pourrais streamer tous les jours, mais il faudrait que je stream moins. Je pourrais faire du 7 jours sur 7. C'est possible.
C'est possible, mais il faudrait que je stream... Il faudrait que je stream 5 heures par jour. What the fuck? Allez Bill, j'arrive. J'aimerais bien rattraper les messages dans le chat. La game elle est intense, j'ai le temps de rien. T'as des games des fois, tu sais, où tu peux regarder tous les messages dans le chat tranquille, sans pression. Et t'as des games où tu peux pas parce que le tueur est tout le temps sur toi. Où il y a tout le temps un truc à faire. Benkai ! Non, j'allais pas t'oublier, Paulet. C'est les 23 mois, c'est ça ? C'est insane. Merci Benkai pour tes 23 mois d'abonnement à la chaîne. Merci Poulet, merci beaucoup. C'est super cool. Tu vas bien, t'as passé un bon week-end, Benkai ? Je suis désolé, Bill. Tous les main survivants se plaignent de pseudo-tunnels. Alors que quand on suit, on tombe sur quelqu'un par hasard. Non, mais totalement, totalement. Je fais partie des personnes, tu vois, qui aiment pas se faire tunnel, camper, tout ça, tu vois. Mais il faut pas non plus abuser. Et des fois, il faut, faut arrêter de pleurer, tu vois, systématiquement quand le tueur fait un truc. J'aime pas les survivants qui passent leur temps à pleurer en mode il a fait ça, il a fait ça. C'est bon, au bout d'un moment, le tueur, il faut aussi qu'il tue, tu vois. Mais bon, voilà. Le tunnel, pour moi, voilà, c'est revenir sur le survivant immédiatement, etc., tu vois. Si le, si c'est passé une minute entre le moment où t'as été décroché et une minute où le tueur revient sur toi, pour moi, c'est bon, quoi. C'est... C'est... Faut arrêter de voir le mal partout, en fait. C'est ça, ouais, putain, belle allonge, là, par contre. Je suis impressionné. Ça l'a saoulé, on va pouvoir soigner, nickel. Alors attendez, attendez, faut que je vois tous les messages là, c'est pas possible. Putain mais vite, en fait c'est qu'une, il me tarde qu'une chose, c'est que cette game elle se termine pour pouvoir attraper les messages. C'est terrible. Salut Madlax, tu vas bien? Bonjour Maggie, comment vas-tu? Oh putain. Ah, ah bah j'ai réussi à me soigner mon pote, désolé. Vas-y, c'est reparti pour un soir, let's go. Tu as combien d'années sur DBD? Je sais pas si on peut compter ça en années, mais j'ai 4 ans sur DBD, je dirais à peu près. 4 ans que je joue au jeu. J'ai fait la game de World of Tank, ce week-end. J'espère qu'elle a bien été comptée. Ouais, je crois que oui, parce que le compteur a un petit peu monté ce week-end. Merci, hein. Merci beaucoup, Woodsop, c'est super cool, Paulet. Merci à toi. Salut, Adjigan, ça va? Arigan, Arigan ou Adjigan, dis-moi. Plutôt Arigan, non? Tu en avais marre d'être en week-end, du coup tu lances un live un lundi. C'est vrai que c'est rare, hein, c'est très rare qu'on soit en live le lundi. Effectivement, ouais. Le tueur, il faut qu'il tue. Non, mais c'est ça, au bout d'un moment, le tueur, c'est bon, faut arrêter de trouver toujours des excuses en mode oh, il m'a tunnel, oh, il m'a campé, oh, il m'a slug. Non, c'est bon, putain. C'est. Mais généralement, c'est des personnes qui jouent que survivant, tu vois, qui vont voir du mal partout en fait. Quoi que le tueur fasse, les survivants vont voir du mal systématiquement, tu vois. C'est. Faut essayer de. Faut essayer d'avoir un jugement quand même un peu moins sévère, tu vois. Après, je dis ça, mais moi, effectivement, j'ai la chance d'avoir des tueurs qui sont quand même cool, de manière générale. On fait semblant. Ah putain, il déclenche pas. Il déclenche pas le bourricot. Passe par là. Ah bah attends mon pote quand même. Voilà, j'ai plus rien pour me soigner par contre, c'est la merde. Il faut vraiment que je récupère mon spring burst. Là en plus il arrive à close le générateur, Bill, j'ai mon adrénaline, tu vois, pour la fin de partie, donc là c'est vraiment. Vraiment, on est vraiment sur une situation insane. Donc là il faut impérativement que je récupère mon spring burst. L'objectif du moment. Récupérer Spring Burst. J'ai pas de défense par ici en plus. Il est sur Bill. Fuck. Salut Gag, tu vas bien, ça roule ou quoi? Quand tu vois la notif live sauvage et que tu mets 5 secondes à comprendre avant d'être joie. Coucou Vargou. Salut Gag, j'espère que t'as passé un bon week-end, tu vas bien? Oh putain, bien joué Bill. Ce tryhard, incroyable. Ah oh, fuck, y'a aucune issue. Vas-y, celui-là, tu viens. Je vais t'emmener à un double spot fenêtre, je sais que t'aimes bien ça.
Est-ce que je vais pouvoir rejoindre le spot avant qu'il m'attaque? On fait semblant de prendre la fenêtre, on fait semblant. Oh putain! Yes, c'est passé! Nickel! Allez, 2 minutes à tenir. Ok. On change de spot. Abou de l'Est. Là, il prend pas. Nickel. Nice, bravo. Je pense que je vais mourir. C'est pas grave, en vrai j'aurais fait mon taf. Si Bill arrive à sortir, j'ai gagné ma game. Je suis content. Moi, je veux juste que Bill en fait arrive à sortir, c'est tout. C'est mon objectif, c'est que Bill arrive à sortir et c'est bon. Les 2 minutes sont passées, non? On est pas loin de la... On est pas loin des 2 minutes, non? Oh putain, il m'a repéré, il arrive. On n'a pas exploité le spot ici en vrai. Il doit encore y avoir des palettes, non? On va passer par là. Allez. C'est coincé là. Ah ouais, t'es coincé là. Il n'y a pas la rampe puzzle. Il est passé par là, je suis mort. Bien joué mec. Ah en vrai Bill, vas-y tu peux sortir, pas de soucis. Je t'en voudrais pas en vrai, j'ai fait ma game, c'est cool. On l'a tenu une bonne partie de la partie quand même. Il avait un build pour bien casser les générateurs. Je vais dire une grossièreté. Mais son build n'a pas cassé que les générateurs. Mais j'ai pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous voyez où je veux en venir. McDo à midi, Valtraz. Comme ça tu diras, putain, c'est pas vrai. Tu diras que c'est la faute à Varg, voilà. C'est ma faute. Je t'ai influencé. Non mon pote, en vrai s'il te plaît, je veux que tu sortes. Non Bill. Mec. Oh putain. Il est envers cette porte là. Oh Bill, je suis dégoûté. Merci mec, tu gères, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Il est trop gentil, Bill, sérieux. Il s'est donné pour moi, putain, il gère. Bon, la game était drôle, en vrai, elle était bien contre ce petit spectre, en vrai, elle était cool. Il avait vraiment un build pour casser les générateurs, hein. Aucune issue, écho de douleur. C'était ce coup ce qu'il avait, je me suis trompé. C'était pas éruption. La première fois, en fait, j'ai dit qu'il avait éruption parce qu'en fait, le générateur a explosé juste après qu'il ait mis un coup. Et il avait tapé dessus avant, en fait. Mais effectivement, c'était ce coup, du coup, je me suis trompé. My bad. Bon, en tout cas, j'ai joué au tueur. Qui restait faire, c'est cool. J'ai joué au survivant également. Dommage que la petite Michaela malheureusement soit tombée un petit peu trop vite sur sa première chase. Mais non, c'était une bonne game, franchement, elle était cool. Nice!